en réjouir. La vie de village de Marie-France Boyer, qui paraît chez Thames & Hudson, n'est pas uniquement un très joli objet cadeau. Son propos, en effet, n'est pas seulement de convoquer la nostalgie d'une France des campagnes d'autrefois supposées harmonieuses à l'aide de clichés flatteurs et légèrement rétro. Elle se penche sur les objets et sur le mobilier pour étudier l'évolution des goûts et des modes de vie. Je crois. Le moderne côtoie l'ancien. Il est 11h moins le quart à la gare de Vic-sur-Cère en Auvergne. La verrière est ancienne, tout comme le passage entre les voies, mais l'éclairage, lui, est résolument moderne. De même, les petits commerces de proximité, longtemps menacés par les grandes surfaces, retrouvent leur utilité de services et de liens sociaux. Même s'ils sont itinérants, il n'y a pas que le boulanger qui effectue sa tournée. Vieux pays rural et républicain, la France a fait de la mairie-école un repère pour les enfants et pour leurs parents. Et pour ce qui est du gîte et du couvert, si important dans notre pays, les ressources de l'imagination sont sans limite quant à l'ameublement et au décor. Un beau livre intelligent qui dit beaucoup sur notre histoire et sur notre culture.